Salut les viewers, c'est Marcus Bonus, c'est merde, et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch. Pourquoi je dis merde? Parce que je retombe avec Sensodia, qui sont de très mauvais DPS, donc je préfère prendre Soldat tout de suite, et Sensodia va se taper un heal. Si, un heal normalement. Excusez-moi, j'avais pas vu. M'inquiète pour cette personne qui apparemment... ça met dans l'ambiance le côté Hanzo de la chose. Ok. Quand je vois le Reinhardt qu'il jouait tout à l'heure, je me pose des questions. Enfin bon, ce n'est pas grave. On verra bien. Hop, allons-y. Il faut surtout pas que je tilte, chers amis. Il ne faut juste pas tilter. Ce qui va être compliqué. Je n'ai pas tilté de la soirée hier soir en plus. J'ai joué tranquillement. En solo queue, ça winait bien. Hein, mais bon, les équipes de jour et les équipes de nuit sont pas du tout les mêmes. Vous voyez par exemple là. Sensodia là. C'est pas du tout le genre de Reinhardt que j'ai rencontré hier. Parce que j'ai beaucoup joué Reinhardt hier et j'ai eu 2 ou 3 POTG parce que voilà, j'étais vraiment dedans. Et malheureusement ce n'était pas le cas, et que ce soit en tant que Reinhardt ou en tant que... Enfin, je ne peux pas en fait... Le vrai problème de Reinhardt, c'est que s'il y a une pharmacie en face, Reinhardt devient complètement inutile. Vu qu'il est sorti de n'importe où, tué n'importe comment, et il peut pratiquement... Enfin, il peut pas assurer ton shield. T'es sérieux à cette distance là? Voilà. Crac. J'entends une diva qui n'est pas la nôtre. Voilà, crac, un petit peu de concentration. Ok, où elle est? J'attends qu'elle repasse, elle est où? Putain, je l'entends mais je la vois pas, c'est chiant. Loin, j'ai du mal. Ça va mieux. Oui, je sais, je devrais pas. Tu es dans ma ligne de vie. Oh, oh, quel dommage. Quel dommage. Ton shield, putain! Merde. Oui, pardon. Où elle est? Ça ne fera pas.
tu fais le con. Ah putain. Dis-moi que t'as ton raise. Ah putain. C'est dommage. C'est dommage. Et on n'a pas de shield, on n'a pas de raise. Et c'est fichu, je pense, pour ce point A. Ah, c'est dommage. Non, c'est dommage. Putain, c'est là que c'était dommage. C'est. J'aurais aimé avoir le. Hop. Elle est où Pharah? C'est Pharah qui m'inquiète le plus. She's on fire. Pharah is on fire. Soldat. Behind. Apparemment ils ont eu soldat. Voilà. Voilà, ils se font balader. Oh. Ah putain. Alors ça l'enchaînement de bump de merde de saloperie de connard d'enculé de connerie là. Je suis pas fan du tout. J'aimerais bien que Iriel elle ait changé. Merci. Il est où? Putain, passe pas devant! Putain. Ah putain! Ah la gueule! Eh, je peux pas tout juste la tuer alors que je viens de raise, hein. Je suis désolé. Hein. Mais bon. Putain, tu vas pas les sauver tous! Où elle est? Où elle est? Putain! Ah! Elle est où? Sale pute! Ça m'énerve! Viens me chercher qu'on rigole. Oh! Oh! C'est limite avec ton marteau. Oh mais merde!
Ah putain. Faudrait que machin il ult. Chacal, enfin pardon, Chopper ult. Mais ça va être ricrac. Et j'ai du mal à la tuer hein. Mais quand je vois la différence entre les Pharah que j'ai moi et les Pharah d'autres personnes, je suis écœuré. Je suis absolument écœuré. La Pharah de tout à l'heure était largement prenable. La preuve c'est que j'y arrivais plus ou moins avec le tracking de la Zarya. Mais celle-là, elle est incroyable. Elle se place comme il faut, elle marche quand il faut. Moi, c'est le pire avec Pharah, c'est de savoir quand marcher, en fait. On est en attaque. Et ça, ça m'inquiète. Ça aussi. De toute façon, il va nous falloir des heals. Hein. Je veux bien tenter ça. Je vais tenter ça. Je vais bourrer le Reinhardt. Je vais littéralement bourrer le Reinhardt. On verra bien. Je vais focus. Jamais de te battre pour ce que tu crois juste. La meilleure arme du guerrier est sa patience. Je sais que ça peut passer. Je sais que ça peut faire de très très gros ravages. Retourne te battre. Le combat commence dans 30 secondes. C'est pour ça que je dirais pas forcément ok à une Pharah, vu qu'elle va se trouver avec très très peu de heal. Je sais pas. On verra. On verra, on verra. Je sais que ça peut être très très efficace. Hein. Je l'ai vu faire, je l'ai... J'ai tenté, mais je peux pas le tenir aussi longtemps que ça d'une autre personne. Allez! Allez, c'est parti. Allez! Allez! Mais merde, il a pas compris lui ou quoi? Ok. Ok, ok. De toute façon, c'était pas à moi d'engager. Je suis con. Enfin bon, si c'est pour rester sous le choke point 3 heures, je suis désolé. C'est pas l'objectif. C'est bien mieux que la maison de retraite. Regardez, regardez! Oh, Reinhardt a pas réussi. Mais enfin bon, Pharah qui YOLO, voilà, c'est pour ça que je veux pas. C'est pour ça que je veux pas de Pharah dans mon équipe. Pharah a YOLO, le point. Ce qui fait qu'on a un attaquant en moins. Voilà, elle est morte, elle est delayed. Donc voilà, voilà. Allez, charge! Ton shield! Retourne te battre. Gâchis, gâchis. Ouf! Comment je peux louper une cible si grosse? Allez! Ah putain! Ils sont où les tanks et les DPS? Qu'est-ce qu'ils foutaient à flanquer? Oh la gueule! Je ne suis pas prête à raccrocher. C'est d'une tristesse! C'est d'une tristesse! Voilà, on a perdu tout le push parce que voilà, on avait un Rodog de retard. Allez, 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 bourre! Putain!
Voilà. Donc il shield quand il y a personne et il charge quand il y a plein de monde alors que c'est pas à lui de faire les kills, merde. Ah c'est saoulant, c'est absolument saoulant chers amis, je suis désolé mais là faudrait qu'il engage. Et vous allez me dire oui il faudrait que tu lui dises dans le chat, mais j'ai pas que ça à faire. Si c'est pas joué il joue pas en compétitif point barre. Regardez là il a chargé dans l'équipe adverse. Voilà. Vive les joueurs qui savent pas jouer. Allez. Je suis curieux de savoir. Ah bah bien. Donc on s'est tous fait repousser, c'est ça? Et Reinhardt il arrive. Allez Reinhardt bourre. Ah là là, bon bah double défaite, c'est rigolo. C'est rigolo. Bon bah voilà, génial. Génial, génial. C'est une question de bon sens, hein. Elles font masse dégâts les bombes, normalement le shield de Reinhardt est descendu très vite. Donc si ça passe pas, il aurait dû changer, mais on n'avait pas de frontline, hein. On n'avait absolument pas de frontline. Ils ont pris Rodog pour une frontline, ils se sont plantés, hein. Rodog il est là pour choisir ses cibles normalement. Enfin bon, c'est comme ça. Eh bien écoutez, moi chers amis, je vous retrouve dans le prochain épisode. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait hier soir, déjà le peu que ça m'a rapporté ce que j'ai fait hier soir, bah, et déjà reparti, c'est génial. Donc moi les amis, je vous retrouve dans le prochain épisode. Salut les gens.